Word, les Smart Art, la pyramide. Je voudrais une représentation graphique sous forme de pyramide. On va représenter la fameuse pyramide de Maslow qui représente la hiérarchie des besoins. Nous allons donc passer sur un mode paysage plutôt qu'une orientation portrait on va prendre une orientation paysage, ce qui me donnera un petit peu plus d'espace pour voir ma pyramide. Puis je vais demander un schéma de type pyramide. Donc on va aller dans Insertion, Smart Art, et là j'ai dans les catégories une catégorie pyramide. Je vais choisir cette pyramide-là. OK. Et là je vais pouvoir mettre mes différents niveaux de besoins. Donc on va commencer par les niveaux supérieurs, les besoins d'accomplissement. Puis... En dessous, on va mettre les besoins d'estime. Puis en dessous, les besoins sociaux. Les besoins de sécurité. Donc vous voyez, il suffit d'appuyer simplement sur Entrée pour créer un niveau supplémentaire. Physiologique. Voilà, ma pyramide est faite. Ça s'est donc fait très rapidement. On peut tirer un petit peu la poignée de recopie pour mettre tout ça en plus gros. Il me reste à faire une petite flèche. Alors la flèche, il va falloir aller la chercher dans les formes. On va faire insertion forme. On va aller choisir une flèche de ce type-là, par exemple. On va la dessiner ici. À l'intérieur. On va faire donc clic droit, modifier le texte, ajouter du texte. On va écrire pyramide de Maslow. Voilà, là c'est peut-être pas assez gros, donc je vais augmenter un petit peu la taille. Accueil, on va passer en 16. Et je vais la tourner un peu pour que... Elles suivent le sens de la pyramide. Et voilà, j'ai ma flèche qui est juste à côté et qui euh, indique le sens de la hiérarchie des besoins.